Et on n'oublie pas que ici, c'est jeunesse. Jeunesse. Vous l'aurez reconnu, Jeunesse en l'air, l'événement pour et par la jeunesse tunisienne, était de retour vendredi dernier à la Nordev. Cette édition spéciale Plan Ambition Jeunesse a démarré très studieusement en parlant avenir, insertion professionnelle ou encore vie active, l'occasion pour nos jeunes de s'informer pour mieux avancer. J'ai entendu qu'il y a quelque chose pour les jeunes, donc s'il y a des jobs ou des choses comme ça. Je ne sais pas sur quel stand qui m'intéresse, je vais voir ce qu'il propose en particulier, je pose aussi des questions. L'idée, c'est sur un territoire comme une ville, comme Saint-Denis, de rassembler tous ceux qui sont des acteurs, que ce soit dans la formation, dans l'insertion professionnelle, dans le monde économique, sur la santé aussi, sur le sport, la culture, tout ce qui fait la vie de quelqu'un. Et là, particulièrement le jeune, c'est 60 partenaires qui sont proactifs avec nous sur le plan Ambition Jeunesse. En parallèle, la ville additionne à tout ça des dispositifs, que ce soit sur la mobilité, mobilité gratuite, les bourses de voyage pour aller dans le monde, tout ça est notre socle à nos villes. Jeunesse en l'air, c'est aussi ça, un moment artistique et festif où se retrouvent et s'expriment les talents. Le jeunesse en l'air, il y a trois temps, donc la partie forum en premier temps. Deuxième temps, on a toute la partie découverte, donc avec une jeunesse qui souhaiterait vraiment révéler leurs talents. Donc là, au niveau de l'Académie des Camélias, nous avons suivi là, des artistes qui fréquentent le studio. Ensuite, en troisième temps, c'est la partie là, le plus festive, donc avec des artistes et un show DJ, et jusqu'à minuit. Jeunesse en l'air, l'illustration d'une jeunesse tunisienne active et soucieuse de son avenir, vous donne rendez-vous l'année prochaine.